Welcome, Mr. Linden. We're very happy that you are back in Bayreuth. Even though it's always a bit complicated, especially in these times, to come back. So thank you very much having come to Bayreuth and also shown your film, Le Voile de Draupadi, Draupadi's Veil, in the context of the Indian Ocean project. Maybe you could start by introducing yourself and also telling us a little bit about your very long career. Thank you for having me. It's a pleasure to be back. But I have a long career in visual images, that's stock images, whether it's moving or still. I studied photography. It was mainly scientific and medical. I did not want to do portrait or fashion, something like this. Because in photography, there's a wide spectrum. For example, you can even take pictures of infrared or ultraviolet light, which give you so much information in the medical field, in engineering field. Mm. For example, when engineers make an aeroplane, they will need to take pictures with, you know, in the extra realm of the spectrum without lenses for them to test the strength of the metal, you know, they need that pictures, all these dots for them to do that. That was the interesting part of me studying photography. Then I came back for the 3 years, I came back to Mauritius. And I was receiving a fellowship from the Institute of Cancer Research when I was leaving. The director told me, why are you going back? You're going to the overcrowded barrack room, because there was a very well-known author's Naipaul, which is very well known, very dedicated writer. He wrote something about Mauritius, the overcrowded barracoon, and the guy told me, why are you going back to the overcrowded barracoon? I said, I have to go back, it's my country. And I went there, I was lucky to find a job at the university to be responsible for the audiovisual section, apart from other social photography. I've been doing wedding, sport, newspaper, for me to get my living. And at the university, I realized that, you know, being responsible for audiovisual, still picture is not enough. Hmm. And maybe, like we'll say, you know, there was something playing that I have to move, you know. Comme on dit, il y a quelque chose qui te gratte, tu dois bouger. Et je suis reparti pour aller faire des études du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai fait les études du cinéma, parce que puis quand je suis retourné, j'ai travaillé dans une institution pour faire des films pour l'éducation. C'était College of the Air. Et il y avait des c'était subventionné par la CCT, qui est OIF aujourd'hui, la production de tous les films. Il y avait un festival, j'ai pris part. Le directeur, j'ai dit je voudrais prendre part. C'était culture et tradition. Et j'avais en tête la vie d'un potier, pour faire des petits objets et utiliser dans les rituels hindous. Mm-hmm. Des choses pour de l'eau, pour verser sur le dieu et tout. Ou des petits lits qu'on appelle des dia. C'est des petites lampes en terre avec de l'huile, avec la mèche, que les gens utilisent pour faire la prière, puis ils font aussi le Diwali. Et j'avais fait ce film et j'ai eu la chance d'avoir le premier prix. Ok. Et puis entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une possibilité. L'OMS cherchait quelqu'un pour travailler dans le système audiovisuel, j'ai postulé. Et le problème, que les Mauriciens, ils sont surpeuplés dans toutes les institutions. Mais il y a un quota qu'on doit prendre, et je crois que c'était 6, on était peut-être 8 à 9. Et quand j'étais sélectionné, ils ont envoyé ça avec le directeur régional. Ils ont dit il faut refaire, ne voyez pas la vie à l'île Maurice, ils ont fait 3 fois. Et puis les personnes qui étaient dans la sélection, ils ont dit au directeur, on n'a pas trouvé mieux que ce monsieur. Et là, ils ont demandé la permission au directeur général. Et comme ça que j'ai eu de la chance d'être photographe et cinéaste pour l'institution que j'ai travaillé pendant plus que 20 ans. J'ai fait 8 ans à Brazzaville, que j'ai fait tout le continent africain pour aller faire des films et des photos. Et puis je suis arrivé à l'OMS à Genève en 88 ou 89, j'ai oublié, 89 peut-être,
Et je restais là jusqu'à 2006. Et j'ai eu l'occasion de voyager le monde et faire à peu près 63 films. Et une fois, j'ai voyagé depuis l'Indonésie, depuis l'Australie, jusqu'à la Colombie. Oui, les deux extrêmes, voilà. Ouais, tout, et c'était tout sur un seul projet, un seul Ok. film. Et puis j'avais fait un autre film avant que je quittais l'OMS, s'appelle Ulcère de Broglie. C'était un ulcère de la peau que personne connaissait la maladie et ne trouvait pas des médicaments et tout. Et puis il y a des gens qui. C'était un film pas facile. Et quand c'était présenté aussi dans les universités en Amérique, les médecins qui étaient dans la salle quittaient la salle éportés. C'était Pourquoi? trop dur de Trop dur. regarder. Ah bon? De ce film, a reçu à peu près 4 ou 5 films, prix international, comme le Feuilly Awards en Amérique, en Espagne, en Belgique et en Italie. J'ai eu pas mal de chance. Et voilà, et puis là, j'ai. Quand je voulais arrêter, c'était faire de la photo. Mais il y avait Lady Macbeth qui me dit, pourquoi tu dois faire seulement la photo, tu pourrais faire des films. C'est là que j'ai commencé à faire des films. Et j'ai fait la première, c'était La Cathédrale, et un de ces recueils de nouvelles que j'avais fait. Et le film a été primé dans pas mal de pays. Et puis comme ça que j'ai continué, je voudrais faire Le Voile de Drupadi après La Cathédrale. Et puis il y avait un de ces décombres qui était sorti, qui avait fait pas mal de bruit dans le monde littéraire. Et puis il m'a dit, mais peut-être qu'on fait ça, c'est plus vivant. C'est toujours Lady Macbeth. Et on l'a fait. Comme je vous dis, on avait fait à peu près 13 scénarios pendant 2 ans, et puis on a filmé, et puis Chavan nous a rejoints. Et j'ai eu laissé terminer le film, c'est comme ça. Et puis là, j'ai fait Le Voile de Drupadi. Et ça, je l'ai fait, je ne sais pas, Ananda, il ne pourrait pas me dire non, et puis je ne sais pas pourquoi, mais le roman était à elle, et j'ai tout fait moi-même, j'avais pas. Même le scénario, les dialogues et tout, c'est moi qui avais fait. Et c'était pas facile. J'imagine bien. Faire un scénario, c'est du travail et c'est de l'art. Et pour Le Voile de Drupadi, j'avais des petits morceaux, des petites brimes, des phrases et des idées. Je n'avais pas fait un scénario. Je voudrais que les acteurs travaillent directement à la liberté. Des fois, mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Comme vous voyez, avec la plupart des amis, les cousines de Dev, ça n'a pas marché. La maman, c'était vraiment nul. J'ai gardé 5 minutes. Et puis, par exemple, cette dame-là, votre nom, c'est comment? Yelena. Hein? Yelena. Yann? Yelena. Yarena? Oui. Ok, je Ça peut m'excuse. marcher. Elle me dit, mais l'ouverture du film, c'est très symbolique, c'est très bien. Je dis, mais c'était pas voulu. Je dis, la caméra était là, on avait fait l'encadrage parce que Angélie devrait rentrer par cette porte. Il y avait un rideau, il y avait du vent. Et c'était, si vous regardez bien encore le film, la mise au point était à l'extérieur. Ce n'était pas le rideau, le rideau n'était pas, comme on dit out of focus, ce n'était pas la mise au point. Il y avait le vent et puis c'est resté comme ça. Et puis quand on faisait le montage, on avait pensé le petit chant des enfants avec la grand-mère et tout, qu'on a laissé ça là et puis. Ça a servi, mais c'était pas C'est pas planifié comme planifié comme ça. ça, c'était un accident et Mais puis c'est bon, là. mais bon, Hein? mais le montage, quand même, c'est là qu'on prend les Oui. décisions. Donc, ça veut dire, bon, même si c'était un accident quand vous avez filmé, C'était dans pas le montage, quand planifié. même, on trouve que c'est vraiment ça, disons, Et c'est puis parfait parce que c'était ça flou, et crée puis le c'était un peu cercle. mon style aussi de faire des films parce que quand le rideau bougeait avec le vent. Il était flou et puis il était net, flou et net. Et j'ai bien aimé ça, qui a été filmé par accident et puis je l'ai utilisé. Oui, mais vous avez d'une manière spontanée introduit le motif de voile dans le film, donc dès Vous avez dit ça, je n'avais pas le pensé ça comme ça. début.
Bon, ça serait maintenant le travail des critiques. On a vu que ça, ce que vous avez fait au montage. Mais comme, bon, est-ce qu'on pourrait peut-être résumer, parce que là, on est déjà entré dans le plein du film et de l'histoire. Peut-être on pourrait résumer rapidement de quoi est-ce qu'il s'agit dans le voile de Drupadi. Vous voulez peut-être le faire et puis enchaîner avec une question, Elena? Je voudrais plutôt poser une autre question, Ok. si c'est possible, parce que le livre a été publié en 1993, donc il y avait quand même une période donc, Le temps qui s'est passé. oui, entre la publication du livre et le tournage du film. Donc pourquoi est-ce que vous avez Et attendu je crois que j'avais déjà répondu, je vais répondre encore, il n'y a pas de problème. Et je voudrais le faire après la cathédrale. Et l'écrivain du roman Étude m'avait dit pourquoi qu'on ne fait pas Ève de ses décombres, qui a reçu pas mal de prix, il croyait que ça va marcher, on pourrait trouver pas mal de financement. C'est comme ça qu'on a. J'ai écouté, et puis sinon, si je l'écoute pas, je suis dehors. Oui. Par exemple, Madame Ananda Devi, elle est une écrivaine prolifique, mais vous avez dû faire le choix. Donc, vous avez choisi la thématique d'une femme mauricienne qui est vraiment déchirée entre la tradition et donc et ses croyances d'une femme moderne, si je peux le mettre comme ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelque chose sur cet Et aspect-là? moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai connu Ananda. Ok, c'est ma femme. Et puis, je ne le vois pas. Ok, elle est très connue. Elle a une écriture incroyable. Ça, on ne peut pas dénier. Et puis, et même ça, ce qu'elle écrit, c'est dur. C'est déchirant. Mais il y a l'aspect poétique dedans qui le rend pas aussi difficile. Pour d'autres personnes, je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas difficile quand je le lis. Je vois le côté poétique, même si c'est déchirant. Et pour faire justice à son écriture, quand je travaille pour faire des images, je dois penser beaucoup. Comment rendre les images aussi poétiques que son écriture? Mais ce n'est pas quelque chose de facile, mais ça, on le fait. Et puis, ça arrive sans le savoir comment c'est arrivé. D'accord. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi, est-ce que Madame Ananda Devi, est-ce qu'elle participe activement au tournage des films ou c'était plutôt vous Par qui... exemple, la cathédrale a été participée, elle était là à côté. Les enfants de Tourmaron aussi, elle était là parce que c'est, comme je vous dis, on avait fait 13 scénarios. Et elle était là, on a tourné, puis j'ai commencé, puis Chavan a repris. Non, elle était là, mais pour le voile de Drupadi, elle était absente 100%. Oui, mais nous avons aussi l'impression que vous transposez vraiment la réalité de l'île Maurice. Donc, pourriez-vous nous dire donc si le roman Ève de ses décombres et votre film, est-ce qu'il transpose la réalité de Pour l'île moi, oui. Maurice? Et comment est-ce que l'audience mauricienne Mais comme réagit vous au m'avez posé film? cette question tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a des. J'étais pas là quand la première était présentée à Maurice. Ananda l'avait présentée. Il y avait des gens qui nous demandaient, est-ce que ça existe à Maurice? Je crois que Ananda avait répondu, vous avez qu'à ouvrir vos yeux et regarder autour de vous, vous allez trouver tout ce qui était dans le film. Il y a des gens que, pour eux, c'est pas, ça n'existe pas. Et puis. Mais je ne sais pas, moi je cherche. Mon cinéma, c'est le cinéma vérité. Je ne vais pas. Oui, vous avez vraiment diffusé une image qui rend de l'image idyllique qu'on a Oui, mais comme je vous sur dis, moi je fais des du îles cinéma tropicales. réalité, et puis je ne vais Ah, pas oui. aller créer beaucoup de choses. C'était, puis c'était devant moi. Hein. Je ne vais pas créer, disons, d'une certaine façon. J'aime un peu les acteurs à jouer, mais. Je ne suis pas le réalisateur qui va essayer de créer des choses qui n'existent pas. Et peut-être que si je dois faire un film surréaliste, j'ai aussi étudié le surréalisme. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais j'ai l'intention de faire un film surréaliste. Que, une fois j'ai fait un rêve, mais je ne sais pas quand je vais le faire. Et puis,
Comme je vous dis, j'avais rencontré deux personnes qui savaient que je fais des films. Me dit si je ne veux pas faire un film chez eux. Mais c'était des lesbiennes, je dis, je ne sais pas, je ne connais pas ce sujet, je ne sais pas comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. C'était des choses qui ne m'intéressaient pas. Et puis j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai dit, mais là j'étais en train de faire des recherches. Je dois aller leur demander ce qu'ils. Parce que je ne vais pas faire un film qu'on a des Talking Heads. Ce n'est pas mon style, je ne sais pas le faire. Ce n'est pas mon style, je dois montrer un peu. Puis, s'ils acceptent, je vais faire le film. Et puis, il y a pas mal de personnes en dehors de l'île Maurice en Angleterre. Il y a pas mal des hommes gays qui sont très connus, des avocats reconnus et tout. Je vais essayer de prendre contact avec eux si je peux les interviewer. Puis, s'ils me disent oui, je vais faire le film, sinon je ne le ferai pas. Si je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas le faire. Et je ne sais pas moi, peut-être l'autre, ça va être un autre film, peut-être sur le cancer. Quand j'ai travaillé à l'Angleterre comme photographe médical, j'ai travaillé dans une institution qui s'appelle l'Institut de cancer. Une fois par semaine, j'étais dans un hôpital, il y avait des cancers, les gens souffraient, je devais faire des photos. Et puis en même temps, il y avait un écrivain russe, Célestine, qui avait écrit Cancer World, un très beau livre. Et je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Et quand j'ai commencé à lire, je n'ai pas arrêté. Et j'avais dit que je voudrais faire un film là-dessus. Une fois que j'étais à Londres, je suis allé à cet hôpital. Il me dit qu'il faut écrire et tout, et puis j'ai laissé tomber. Peut-être maintenant, j'ai un peu plus de temps. Je vais essayer de faire ce film. Donc Sur le cancer, hein? Oui. la littérature était toujours votre point de départ, en fait. Pas vraiment, je ne lisais pas, moi. Comme je vous dis, quand j'ai acheté le livre de Amanda, j'ai commencé à lire. C'était une façon pour moi de tenir une conversation avec elle. Parce que moi, quand j'étais au collège, j'ai fait que chimie, physique et mathématiques. La littérature, ça n'existait pas pour moi. Je ne le faisais pas. Non, mais ça ne m'attirait pas. Et je devrais faire anglais comme langue pour avoir le certificat basic continuer. Mais je devrais faire l'anglais. Et puis je faisais un peu la littérature anglaise parce que il y avait des bouquins qui étaient intéressants, comme les poètes Keats, Wordsworth, et puis comme Shakespeare. Mais sinon, la littérature pour moi, c'était pas mon bébé. Mais quand je voyageais, surtout pour l'OMS, quand j'ai passé à Londres, je voyageais surtout avec le British Airways, j'arrête, j'achète un roman dans les bas, Hughes Smith, je le lis pendant le voyage qui dit à peu près 12 heures de temps, et pendant que je suis là-bas, je ne la touche pas, j'ai tellement de choses à faire. En retournant, je termine le livre et puis c'est fini. Et puis c'est comme ça que je dis, pour passer le temps, j'ai acheté un roman pour lire, sinon je n'achète pas. Le seul roman que j'ai acheté, j'ai vu, c'était une dame qui écrivait, elle avait une affaire avec un ministère des Affaires étrangères français. Et j'ai oublié le nom. Le titre, c'était Le putain de la République. Ça, je lis parce que je connais le. Pourquoi ça vous fait rire, madame? Et parce que je connais le ministre et tout, je dis qu'est-ce que c'est, et puis je l'ai lu d'un seul coup. Donc ça va, c'était pas bien écrit. C'était pas l'écriture d'Ananda, pour être sûr, mais je l'ai lu, c'est tout. Et moi, pour acheter un roman, pour lire, c'était, comme je vous dis, c'était plutôt des romans anglais quand je voyageais, et puis c'était pas mon bébé, hein, et puis. Mais avec Mais le. la littérature vous a quand même servi Hein? comme inspiration pour faire des films. Quoi? La littérature vous Non, a... mais c'était le livre d'Amanda qui m'a inspiré de faire des films. Sinon, si je ne savais pas Amanda, je ne crois pas que j'aurais fait des films. Oui, mais bon, pour retourner peut-être encore une fois à ce film que vous avez montré ici, donc Le voile de Tropadi. Vous avez fait que vous l'avez fait, donc vraiment vous seul, donc Ananda Devi n'était pas du tout, ne faisait pas partie Oui. du tournage, etc. Mais en même temps, vous avez parlé de la poétique
de la poésie des images, l'écriture n'est-ce pas? de... Oui. Et aussi, donc, au centre aussi de cette... Bon, moi, personnellement, je trouve que ce roman, donc, quand j'ai appris que c'était justement bon, une adaptation inspirée par ce roman, parce que c'est quand même sur le conflit de cette protagoniste, cette maman qui souffre à côté de Son son fils. enfant qui est en Oui. train de Oui. mourir. Et tout cela crée maintenant, bien fait sortir ou visible tous les autres problèmes entre les deux familles, entre elle et la religion, disons sa relation avec la religion, sa relation avec sa belle-famille, etc. Donc très, très souvent, donc vraiment des conflits aussi intérieurs et très individuels. Et d'habitude, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à montrer, parce que c'est quelque chose qui se passe à À l'intérieur l'intérieur, oui, c'est de la ça. personne. Et je crois, mais ça c'est maintenant, je crois que là, le film est vraiment très réussi, parce que vous avez réussi à rendre visible par des images, par exemple, avec les prises des paysages, de lier aussi l'état d'âme de ce personnage, les paysages. Quand elle marche aussi dans les rues et dans les jardins, etc. Donc de créer aussi une atmosphère autour de ce personnage qui rend possible l'accompagner dans cette souffrance et dans son chemin. Et vers la fin, disons, dans le dernier tiers, je dirais plus ou moins du film, ça concentre vraiment beaucoup aussi maintenant sur cet aspect de la marche sur le feu, qui est annoncé rapidement au début du film, plus rapidement et plus souvent, pour justement créer ce climat, c'est aller vers cette grande. Comment est-ce qu'on dit? Cette fin qui focalise sur les rituels. Donc bon, c'est basé sur, ou bien c'est inspiré par ce roman, mais d'avoir raconté ça par des images et les rythmes, même si peut-être parfois il y a des opportunités, pourquoi vous avez à la fin dans le montage pris telle ou telle image. Mais quand même, le montage à la fin, c'est ça aussi l'écriture, Oui, c'est le rythme et tout. Donc si vous pouvez peut-être encore une fois dire un peu plus sur aussi cette marche sur le feu, parce que c'est ça qui devient maintenant ou bien moi comme spectatrice, j'avais l'impression que c'était ça la grande thématique vers laquelle aussi va le personnage principal, mais aussi la narration. Et dans les images aussi, c'est comme si les paysages et l'état d'âme du personnage va vers ces grands moments dans la communauté, parce que sinon elle est toujours très isolée. Très souvent, c'est ce personnage aussi très seul dans son entourage, littéralement, visiblement. oui, ça c'est sûr, elle est seule, il n'y a personne qui la supporte, et seulement son frère, comme je disais. Et puis elle n'est pas élevée dans cette tradition. Elle le dit, c'est clair. Il n'y a rien inventé là-dessus. Mais je pense que l'instinct maternel, quand vous avez un enfant qui est malade, s'il faut que vous devrez mettre votre cou sur un billot, vous allez le faire. Pour sauver la vie de votre enfant. C'est un peu ça, elle ne croit pas. Elle a dit, je veux savoir pourquoi qu'on m'a... Elle avait dit, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Elle était choquée quand le mari est venu dire que ta belle-mère t'a dit si tu pourrais faire un sacrifice et tout. Elle a écouté et puis elle était perdue et elle lui dit ça et puis elle a pensé. C'est pour ça que je l'ai fait montrer, marcher dans le chemin seul. Un peu partout dans la nature, la mer et tout. Et de penser, c'est ce qu'on lui a dit. Et puis elle va dans les églises. Et puis elle va dire à ses parents, la mère dit, pourquoi tu fais ça? T'as pas élevé comme ça, et blablabla et tout ça. Et c'était dans le film. Et puis, elle a dit, tu ne sais pas, c'est moi, je dois sauver mon enfant, qui est très malade. Je sais que tu m'as pas élevé comme ça, mais je dois faire tout ce qu'il faut pour que je sauve mon enfant. C'est un peu ça. Elle commence à aller à l'église, voir les prêtres, apporter, faire de la prière, méditer. Et puis quand il y a un des prêtres lui dit, mais pourquoi que vous avez décidé? Il dit, mais je ne croyais pas avant. Maintenant, pour sauver la vie de mon fils,
je dois tout faire. C'est ça qu'elle met dedans, et puis elle commence à croire, et puis il fallait une façon de montrer les rituels, de... parce que c'était, c'est pas quelque chose de très facile. Il reste en carême pendant 10 jours, il ne mange pas de viande, poisson, uniquement légumes, et fait de la prière. C'est un peu ça que j'ai essayé de montrer dans les églises, et puis elle l'a fait. Et puis, le titre du voile de Drupadi, parce que dans le mythe de cette marche sur le feu, ce que j'ai expliqué, c'était la déesse qui tient le voile sur le feu, sur la braise, que les gens ne marchent pas directement sur la braise, ils marchent sur le parti du sari qui le tient. C'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai essayé d'expliquer le maximum. C'est un peu ça, je ne sais pas si c'est assez clair ou... Non, c'est clair, c'est bon. On en a parlé dans d'autres contextes, mais par exemple aussi, si on regarde la fin, disons la fin, toute cette cérémonie à la fin, c'est presque un peu... c'est poétique, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une certaine volonté documentariste derrière, vous voulez aussi montrer ce que cette communauté fait et comment elle devient vraiment membre de cette communauté. Oui, mais même moi, d'après moi, je ne lui ai pas demandé. Et la façon de que j'ai filmé, j'ai terminé le film, elle l'a fait. Si on demande à Angeli qu'est-ce qu'elle pense, je ne pense pas qu'il va vous dire qu'il croit dedans. C'est ma façon de voir comment elle a, quand elle tournait le film. Elle faisait parce qu'elle devrait le faire. Il a une histoire qu'il devrait suivre. Mais elle a donné son tout. Et c'est comme ça, mais je ne pense pas qu'elle les croit, même aujourd'hui. Ok, Monsieur Ananden, we want to appreciate you once again for being with us. And we want to ask you this very important question. You did say that the major actress in the film did not actually believe in the ritual that was shown that we saw in the movie, and that you as an individual, you do believe in it, and that is why you presented the movie. So what could you enlighten us more about that? Okay, as I said, you know, I could not tell you the actress. It was just behind the camera that the actress does not believe in it. She does not goes to church, she does not goes to the temple. She's just an ordinary person, but to accept to do the role, she plays the part that she, at the end, she started believing in it. The beginning, when the husband asked her to do it, she was adamant, she did not want to do it, and she wanted to talk to lots of people. Her parents and her mother also tell her, why do you do that? You never believe in it. Then she said, you know, my child is very sick, and I have to do everything to save him. If I don't do it, I will be blamed throughout my whole life. This is why she played the part that she believed in it. And me, if I did not believe in that tradition, I would have never done the film. I would have not been able to feel it. And as I said also, you know, if somebody, you just, the amount of needle they have on their body, not one drop of blood's come out. Just take a needle and pierce it here, you know, you'll get blood. And if you see their feet the next day or at night, no mark, no burning, nothing. So it is something that you can't explain. So don't question. There are things that we don't question, you know, we just accept it. This is the way I've been brought up, and I believe in it. But as I said, I know the actress does not believe in all these things. But she had a role to play, she plays it as an actress. Did I answer your question? Yes, you did. Yes, but there is this aspect I still want to know. It's what image of the woman do you want to depict with the film? You know, in the film Ève de Sidécombe, Drupadi, it's a mother whose child is sick and she has to do everything, even she does not believe in it. And at the end of the day, she even tell her mother, you know, you never brought me up in that context. But if my child is sick, if I don't do it, and my child passed away, I will regret all my life. So she accepts to do it because the child is sick. And I'm sure, and also she's playing part of the book, of the novel.
that Ananda has written. You see that, I mean, but there's lots of people who believe in it and they do it. You've seen the crowd inside the temple or before the walking on fire, before they put the fire and thing like this. All these people that only have Christelle was not the one that believed, but all these people, they believe in it. This is why they were there. This I did not stage. It was a real ceremony going on. So these people believe in it. The only person that does not believe in it in that crowd is Christelle. So, but if you are a filmmaker, you have to do whatever you want to do, you know. I mean, sometimes you have to lie also. Okay. I want you to please enlighten us more on Anjali as a wife. She's a wife, she's a daughter, she's a mother. And these were well represented in the film. So I want you to please shed more light on what you try to depict of her as a wife, a daughter, and a mother. As a daughter, let's start first. The daughter, but I mean, she was brought up, and when she went to tell the mother and the parent that I've been told to do that, the mother resented about it, and she said, my son is sick, I have to do everything to save him. So this is it. But she, as I told you, she does not believe in it. And she tells you the husband, you know, I don't believe in that, I won't do it. And then she realized and she went to go and see the priest and talking, going to the temple and doing prayers. And then she said, you know, one of the priests told her, why do you want to do it? He said, now I want to do it because I believe in it. The priest tell him, and he said, you did not believe. Why are you doing it now? He said, now to save my son, life of my son, I have to do it and I believe in it. He said it in there, you know. And then as a wife, you can see that there was no relation between the husband, you know, she always tell him you're not somebody that we can be together. They always fight, your child is sick, you're drinking your whiskey. Are we going to see him at the hospital? She phoned his office and said, we can't go, I've got an appointment. You know, the relation between wife and husband, you can see the conflict, it does not go along at all. And when he went to the party, that was given for the husband and things like this. She returned home and then, you know, she just left the bed and goes, you know, there's no relation at all. I mean, and the only relation he has is it was only the mother and the son, that she shows all the care and all the tenderness she has to give to the son. So I think it's, I mean, for me, it's clear that is for a daughter, she has a problem with her parents because she wants to do that. She was not brought up like this. With the husband also, there's always conflict every time. There's not one scene that they are happy. And the only thing he was happy when she fixed, you know, the flashback of a son playing guitar or running after like this. I mean, for me, I mean, I don't know. For me, it's clear. I don't know what other people feel. Okay. And finally, I would like to ask, at the point she said, I am actually doing this ritual for myself. And at the end of the movie, she went back to the hospital and discovered that the son was already gone. Yeah. So, did you choose this particular team to make us know that the ritual actually helped her as a woman to discover herself and not to live for others alone? I can't, you know, if I have to answer you, but for example, she's playing a part in the film, you know, she was doing it. I mean, as I told you, me, I believe what I was filming. I asked her to do it and things like this. But I know quite well that the actress does not believe anything at it. So I have to play the part to make her as if the audience thinks that she believes in it. That's all, you know, I don't want to lie and things like this. But while she was playing, you think that she believes in it. Thank you so much. But I mean, like the construction of the story for a spectator transmits to me this message. I don't want to be any more wife, if she believes or not, but yeah. As part of the story, the film is telling me is there's a woman who has been mainly wife, mother, daughter, and in the end, this ritual also helps her to free herself from. I mean, not because she has decided this, the character in the film,
But because, and she also had to let go everything because the son was gone. But at the same time, it's kind of a new beginning because she would also be free now of all these social roles and constraints. And then as a wife, for example, there was a very harsh sentence that her husband said once, okay, you couldn't help your son, you didn't do this and that, so you don't... You're not a mother, but something else. So you are nothing. You're nothing. You haven't. In the living room when he was really discussing about the whiskey and things. Mm. Tu as toujours apporté à l'hôpital, ça, ça, mais tu n'as pas servi ça. De tomber malade. Et tu n'as servi à rien. So she's nothing. Yeah, absolutely nothing. Yeah. And this is, I mean, this is... Yeah, this is something because she was... He's the man who's more I mean, you know, this is not the first... For me, this is reality of life. Yeah, but that's what I think what he was also aiming. I mean, for a spectator, I mean, man or woman, this is really, especially for women, I think. Yes. If you watch this film and then someone says, the husband says to his wife, I mean, you're nothing. So there's no individual, this is not the first time, you know, that a husband will tell that to his wife. I know there's lots of cases, you know. Yeah, but then this is then, but the fact that she comes from there and in the end she also is not going back to live with him. Mm-hmm. And she might I mean... We don't know whether she's going to live with him. We don't see them together. No, but she said she doesn't go back. She said she's not going back. Watch your film again. But also, you know, I will tell you one thing, like in Mauritius, there's lots of couple that the husband has so many affairs with lots of women. Mm. And the wife is still stay put with them. Mm. But, you know, I've got a friend, I know the wife and I know the husband. The husband is a real, excuse me, bee. He runs after lots of women and things like this. But once I told the lady, you know, a friend of mine, I said, why don't you stay with him if he's like this? I said, if it was me, a long time back, I would have said bye-bye, Charlie. Yeah? But she did not reply to me. Mm. But she's still with him. Mm. And the wife has got so many, and he had another wife. And he has even a child with another lady. Mm. I mean, that exists, you know, it exists everywhere in Europe, everywhere in the world. Of course. But in Mauritius, Yeah, but you know, what we're trying to say is that it exists everywhere does not make it the acceptable thing. So that's why as a spectator, I saw a woman imagine to become a woman of her own, not living for an individual. Okay, put it like this. If I was a woman, I was married and my husband did that, the next day, I won't even wait for 1 week. The next day I'm out. I mean, forget me. If you want to go and sleep with other woman, then why should I be here? Yes. And another picture you depicted in the film is when they were at the hospital. Huh? And when they were at the hospital, and the husband came in, and I think the father of the girl came in too, and they were discussing. And the man looked at the husband and said, why are you putting this woman through so much stress? No, the father and the girl said that to the husband. To the husband. Like, you should, as a man, also take the sacrifice. It shouldn't be the role of the mother. Yeah. You know, he said it. He said, why don't you do it yourself instead of him? Yes. He said that. I think that's a very strong message. Yeah, then he said, the sacrifice of a mother is more powerful than the sacrifice of the father. This is the answer he gave. When it's about sacrifices, it's always the part of the women. It's always the women. No, but I mean, just to maybe to sum this up, in the film, I think what as Adebanjo has just said, it's really this character is emerging as an individual, freeing herself from all of these constraints. I mean, in a very painful way, actually. I mean, she goes through a lot of things to get there. We don't know what will happen afterwards, but at least at this particular moment when she goes through the ritual and in the end of the film, it at least this leaves the impression that, okay, she
She's free. I mean, but she paid a very high price. Yeah. And can you see also when they went to see the funeral of the couple, you know, the friend of the husband? Mm. She went there and she came back by the seaside. She cried. Mm. You know, then for me, what was going on in her mind, what will happen to my son? Mm. Well, I also have to bury him like this. Of course. So the burial of the incineration of these people and the burning the fire for walking, there was a sort of relation, you know. Yeah, yeah. I don't know, this is the way I see it, like this way. Yeah, no, but I also saw that as well. So thank you very much. No, no, it's my pleasure. For all the explanations and for your patience with our questions. Thank you very much.